Bonjour, bonjour, bonjour à vous tous, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données de la part de notre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Mon âme bénit l'Éternel, que tous ceux qui sont en moi bénissent son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Good morning, good morning, good morning. Bonjour la France, bonjour Côte d'Ivoire, bonjour Haïti, bonjour Pennsylvania, bonjour, bonjour Bahamas, good morning Jamaica, good morning, bon dia Brazil, bon dia, good morning, buenos dias Argentina, bonjour, bonjour, quel que soit l'endroit où vous retrouvez ce matin, je vous dis un grand bonjour. C'est l'émission Détente Matinale qui est rentrée chez vous via Team Jesus Ministry avec la sœur Nounoun. Nous bénissons le nom du Seigneur pour son amour, sa grâce et ses bienfaits envers nous. Comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits envers moi? Qu'est-ce qu'on peut faire pour remercier Dieu pour son amour et sa fidélité? What shall I render to the Lord for all his benefits toward us? Oui, nous bénissons le nom du Seigneur. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Est-ce que quelqu'un peut remercier Dieu ce matin pour la vie, pour le souffle de vie, pour le souffle de vie? Alléluia, si vous respirez ce matin, si vous êtes en vie ce matin, c'est par la grâce de Dieu. C'est pas un réveil qui levé au matin, c'est pas une alarme qui levé au matin, mais c'est Dieu lui-même, alléluia, qui bat nous la vie, qui fait nous retourner à la vie. Alléluia, avez-vous déjà prié? Si oui, on va continuer à prier. Et sinon, on va prier le Seigneur ensemble, car la prière fervente du juste a une grande efficacité. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu est fidèle, mes bien-aimés. Notre Dieu règne encore, encore et encore. Notre Dieu, il règne éternellement. Il n'y a personne qui peut nous délivrer. Personne ne peut nous sauver que Jésus et Jésus seul. Alléluia. Thank you, Jesus. Merci Seigneur, alléluia. Nous crions vive la fidélité de Dieu. Nous crions vive le sang de Jésus. Nous crions c'est l'Éternel qui est Dieu. Merci Seigneur. Thank you Jesus, we praise you. We bow down before you Jesus. There is none like you. We praise you Jesus. We honor you, Jesus. We welcome you, Holy Spirit. Oh, thank you, Father God. We bless your holy name, Jesus. We love you, Jesus. Hallelujah. Thank you for your grace. Thank you for your love. Thank you for your mercy. Oh, we praise you, Jesus. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. We praise you, Jesus. Hallelujah. Take your Bible, we're going to read together. John 14, verse 6. John 14, verse 6, that's where we're going to read. We're going to share a couple verses together and we're going to pray. Jean 14, verset 6, c'est là qu'on va lire ensemble. On va partager quelques versets ensemble. Après, on va rentrer dans la prière. Mais bien aimé, nous croyons dans la parole de Dieu. La parole de Dieu. Alléluia, c'est l'épée. La parole de Dieu nous délivre. Alléluia, sa parole nous dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. You will know the truth. And the truth will set you free. Oh, praise the name of Jesus. Thank you, Jesus. John 14, verse 6. Jean 14, verset 6. Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except
through me. I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Nul ne vient au Père que par moi. C'est moi-même qui chemin, hein? C'est moi-même qui vérité, hein? C'est moi-même qui la vie. Hein? Personne pas qu'à adjoindre papa s'il n'y pas passé dans moi. C'est moi-même qui chemin, hein? C'est moi-même qui vérité, hein? C'est moi-même qui la vie. Hein? Personne pas qu'à adjoindre papa s'il n'y pas passé dans moi. One way to heaven. Jesus. Un seul chemin qui peut nous rendre au ciel, seulement Jésus et Jésus seul. Mais bien aimé, telle est la révélation que Dieu nous a révélée ce matin. One way to heaven. Heaven is real. Heaven exists. Le ciel est réel et le ciel existe. Jésus dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité et qu'il est la vie. C'est ce Jésus-là que je veux vous offrir, que je veux offrir à chaque personne qui est en train de m'écouter en ce moment. I want to share Jesus. I want to offer Jesus to you this morning. And if you have Jesus in your life, you will never be ashamed. You will never lose. He will guide you. He will show himself to you. He will walk with you. He will guide your path. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8, verset 12. Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. When Jesus spoke again to the people, he said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Jésus-Christ est la lumière du monde. Quelqu'un qui n'a pas Jésus dans sa vie est comme une machine qui court sans avoir aucune direction. Ou on peut dire une machine qui n'a pas d'éclairage. Au monde qui bague Jésus dans la ville, c'est une machine qui a couru, qui sans lumière, grand chant qui dit ça. Un monde qui bague Jésus dans la ville, c'est une machine qui sans lumière, qui a couru sur route là, qui bague, qui pas connaît qui côté libre aller. If you don't have Jesus in your life, you are like a car who run without light, without no direction. But Jesus said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Et Dieu dit, Jesus said,
in John 10 verse 9, I am the door. Je suis la porte. Jésus dit dans Jean chapitre 10 verset 9, je suis la porte, c'est moi-même qui porte là. I am the gate, whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. Jésus dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Jésus est la porte. Il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Jésus est en train de frapper dans la porte de votre cœur. Il vous appelle. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Au seul côté, au capable de repos, au capable de assurance, salut, c'est en Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ seul. Pas de l'autre nom qui est capable de sauver. Acts chapter 4, verse 12. No other name can save you. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Acts chapter 4, verse 12. Acts des apôtres, chapitre 4, verset 12. Salvation is found in no other else. For there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Pas de l'autre nom matessa qui est capable de sauver que le nom de Jésus-Christ. Pas de l'autre chemin qui camène dans le ciel que Jésus de Nazareth. Et pour sauver, pas de chemin court, pas de chemin crochu, pas de avion pour le prendre, pas de machine qui courit plus rapide ou quand tu es arrivé. Pour sauver, matin ça, au seul monde qui est capable de sauver. Au seul monde qui est capable de faire jouir. Le bonheur éternel, la vie éternelle, au seul monde qui est capable d'épargner de l'enfer, c'est seulement Jésus de Nazareth. No other name but the name of Jesus Christ. No one can save you, but Jesus can save you. No one can give you salvation, but Jesus can give you salvation. This morning, Jesus is waiting for you to come to him. He want to save you. He don't want to lose you, but he want to save you. I am the door, says Jesus. Whoever comes to me will be saved. Whoever. God doesn't want to lose you. 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter chapter 3 verse 9. Hear what the Lord says. The Lord is not slow in keeping his promise, as some understand slowness. Instead, he is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Dieu use. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Dieu use de patience envers nous. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais
Il veut que tous arrivent à la repentance. Repentez-vous, mes bien-aimés, car le royaume de Dieu est proche. Repent, repent, for the kingdom of God is at hand. It's time to give your life to Jesus. It's time to turn to Jesus. It's time to say goodbye to this world and come to Jesus. Amen. Hallelujah. What shall I do to be saved? Maybe you asking yourself this question. Maybe you feel like to ask me this question. What shall I do to be saved? The word of God says in Romans 10 verse 9 through 10. Romans chapter 10 verse 9 through 10. What shall I do? What shall I do to be saved? What shall I do to be saved? If you declare with your mouth Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. Hallelujah. Oh, praise Jesus. Blessed be the name of the Lord. Every time I speak the word, I feel the presence of God. I feel God is there. Hallelujah. If you declare with your mouth, Jesus is Lord, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Hallelujah. Thank you, Jesus. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. You have to believe. You have to believe. First, you have to believe in your heart that God raised him from the dead. The first thing, you have to believe in your heart. And you have to confess. If you confess, if you declare first, if you declare with your mouth that Jesus is Lord, that the first thing, if you declare with your mouth, first thing you have to declare, you have to recognize that Jesus is Lord. In Philippians 2 verse 9, it says, every mouth shall confess. Verse 9 through 10, every mouth shall confess that Jesus is Lord. Jesus is Lord. Jesus is the way, the truth, and the life. If you declare, if you confess with your mouth, Jesus is Lord, the second, believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. That's the thing. That's the question you were asking. What shall I do to be saved? You have to declare. You have to confess with your mouth that Jesus is Lord. Jesus is Lord. And there's no other name. No other name. But the name of Jesus can save you this morning. There's a story in the Bible. In the time of Noah. And we find this in Matthew 24, verse 38 to 39. We're going to pray, but I want to share this with you quickly. Matthew 24, verse 38 through 39.
38 and 39. For in the days before the flood, people were eating and drinking, marrying and giving in marriage, up to the day Noah entered the ark. And they knew nothing about what would happen until the flood came and took them all away. That is how it will be at the coming of the Son of Man. Ce qui arrivera le temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez? Au temps de Noé, Noé prêchait la parole. Il disait au peuple de donner leur vie à Dieu. Mais en ce temps-là, ils mangeaient, ils buvaient, ils mariaient leurs enfants. Mais ils ne savaient rien ce qui allait arriver. Et ça qui passait, déluge la vigne. Là, ça a frappé pour la dit Noé, Noah, open the door. But guess what? Noah didn't have the key to open. He would love to open the door for them, but he didn't have the key. God has it. Et la Bible dit nous dans Matthieu 24, verset 37 jusqu'au verset 39, c'est ce qui arrivera dans le temps que nous vivons maintenant, c'est ce qui arrivera, de cette même chose-là arrivera au temps de Noé. Et ça, la Bible dit. Il dit que quand dans les jours que précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arc. Et ça qui attire l'attention. Elle dit, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. C'est même bagaille qui a passé. And we are at the end of the world. We see all the signs. We see fire. We see earthquake. War. And at the end they are talking about war. Everything. Avait dit toute prophétie hein, fin accomplie. Et Jésus dit c'est ça qui a privé dans l'avènement Christ là, la même gens dans le temps de Noé. Et ça ouais, mon a pas plaisir, yo pas jamais rendre compte de retour de Christ. Personne ne parle du retour de Christ. Tout le monde il s'amuse. Ils font ce qu'ils veulent. Ouais, mon a fait tout ça, ils vivent dans le désordre. Il y a pas plaisir, c'est plaisir. Mais personne ne parle de l'avènement de Jésus de Nazareth. Mais guess what? He's coming. Jesus is coming soon. That's why God sent you this word this morning. He doesn't want to lose you. He want you to be saved. And he show you how to be saved. It's only by Jesus. You have to confess with your mouth. You have to believe. And you will be saved. Today, if you don't have Jesus that I'm talking about in your life, give your life to him. Ou pas regret. Ou te fait route ça. Ou te fait choix de Jésus. Pas des monde qui fait choix de Jésus Christ qui regrette une fois dans sa vie qu'il te bat Jésus la ville. Les déluges la vini. Tout le monde te veut sauver. Tout le monde te voulait bailler la vie, mais elle était trop tard. Matin, pas arrêté, il est trop tard.
Patan trop tabaré ou. Ba Jésus la vie ou maté ça. Peut-être wap di wap gen tan, mais demain pas pour vous-même. Ne remporte pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Pas di wap gen tan demain. Ou pas même connaît qui ça pral passer dans une minute ou bien dans une seconde. Peuple ça. Je te dis à gen tan, y a pri. Y a pran plaisir à boire. Mais je te blie, gen un jour k'ap vini. Même Jean Chandi, laisse ça va gen chagrin. Pas gen nuage dans ciel là qui go de l'eau. Il dit qu'on est bon Dieu va tomber sous ville de ça. Qui grand jour, jour glorieux ça va y. Jésus, après le matin ça. Wherever you are, Jesus is calling you. Come to him. Il dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Do the first step, come to him. Come, come. Repent, for the kingdom of the Lord is at hand. Dieu use de patience. Il use de patience. Alléluia. Autant de nos peuples t'a crié, ou t'a brûlé amèrement. Mais le ticket est trop tard. Pas tant que dans l'enfer pour crier, l'engraissement dedans. Laisse le guet trop tard. Jésus pas voulu l'enfer pour vous. Jesus doesn't want hell for you. He wants you to go to heaven. Hallelujah. One way to heaven. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We praise you, Holy Spirit. We praise you, Holy Spirit. Man of God, we love you. We love you, Jesus. We love you, Holy Spirit. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Ma kon ki non rele. Ma kon ki non observe. Ma kon nan ki chemin yi. Mais sou pa nan route salut ya. Ou pa ka hériter royaume ciel là. Ou pa ka sauver. Ou pa ka jouir bonheur éternel là. Sou pa ke Jésus nan la vie. Si m'ta dit si Jésus vin kounya là. Est-ce qu'on sûr qu'on attend de son trompette là? Parce qu'il dit au son de la trompette, à un signal donné, est-ce qu'on attend des signal là? Qu'on chante qui dit dans ciel là, qu'on signal kapay. Qu'on signal, est-ce que qu'on y a là? Est-ce qu'on you nan moun k'ap tande signal ça? Son trompette ça. Est-ce qu'on attendait? Est-ce qu'on attendait? Est-ce qu'on attendait son trompette là? Est-ce qu'on attendait pour monter dans le ciel pour rencontrer Christ? Alléluia. Est-ce qu'on attendait? Est-ce qu'on attendait pour dire, me voici Seigneur pour monter à la rencontre du Sauveur. For the Lord himself will descend from heaven with a loud command, with the voice of an archangel, and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. À un signal donné, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Hallelujah, thank you, Jesus.
Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Il y aura un signal donné. Chandi dans le ciel, là, un signal kabay. Un signal. Est-ce qu'on entend des sons ça? À la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Un son. Est-ce qu'on entend des trompettes ça? Est-ce qu'on entend des coups de clairon ça? Est-ce que les oreilles sont attentives ou tendez matin ça? Son ça. Sous senti ou pas sûr qu'on sauvé. Sous senti ou pas gain assurance salut ça matin ça à Jésus la vie ou ka ou elle paraît difficile que monde qui trouve le difficile ou dit que faut régler la voie avant faut régler certaines choses avant non ou pas jamais capable c'est Jésus-Christ qui a pour changement ça. Maybe you say that you have to fix your life first. No, Jesus will help you. And you can't do it by your own. But God can help you to do it. It's like ABC. Don't forget we were talking in Romans 10, verse 9 to 10. If you confess, if you declare with your mouth, you just need to declare that Jesus is Lord. And you have to believe that God will raise him from them. Let him come to your heart this morning. Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Si vous entendez sa voix ce matin, n'endurcissez pas votre cœur. Jesus is calling you. And if you want to do that, we're going to say a prayer by asking him to come into your life. Si vous voulez recevoir Jésus-Christ dans votre vie ce matin, vous allez répéter une prière après moi pour inviter Jésus-Christ dans votre cœur. Vous allez répéter avant moi. Dear Lord Jesus, Seigneur Jésus, come into my heart. Vini dans la vie, moi, dans le cœur, moi. Lord Jesus, Seigneur Jésus, today I hear your word. Seigneur, matin, moi, tendez parole. And I obey, et moi, obéis. Lord, I give you my life. Seigneur, moi ba ou la vie. Seigneur, je te donne ma vie. Take complete control in my life. Prends tout le contrôle de ma vie. Prends tout le contrôle de la vie, moi. Use me. Utilise-moi. Utilise-moi. For your glory. Pour gloire. Non. Fill me with the Holy Spirit. Remplis-moi. Par le Saint-Esprit. Remplis-moi avec Saint-Esprit. In Jesus' name. Au nom de Jésus. I am saved. Je suis sauvé. Moi sauvé. In Jesus' name I pray. Amen. Au nom de Jésus, je prie. Amen. C'est dans le nom de Jésus, moi prier. Amen. And if you do this prayer, I say welcome to the kingdom of the Lord. Et si vous acceptez Jésus dans votre vie, je vous dis ce matin, bienvenue dans le royaume de Dieu. Et si vous avez Jésus la vie matin ça, ou tu fais prier ça ensemble avec moi, moi dis bienvenue dans le royaume Seigneur. Gloire à Jésus. Oh, praise the name of Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. And the Bible says there is joy in heaven when a sinner give his life to Jesus. La Bible dit, il y a la joie dans le ciel quand un pécheur donne sa vie à Jésus-Christ. Hallelujah.
Oh, thank you, Jesus. We praise you, Father God. I am so happy for you who give your life to Jesus this morning. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. And we're going to pray. We're going to thank God for this moment. We're going to thank God for His word, for His revelation. Because the word is life. The word is God. The word is life. And if you give your life this morning to Jesus, I wanna tell you to remain in the word with your Bible and look for a church, a Christian church, to go to the Bible study, to learn the word, and you're gonna get stronger and God gonna use you for His glory in the name of Jesus Christ. Sous ba Jésus là vous matin, hein? Si vous donnez votre vie à Dieu ce matin, restez attachés à la parole de Dieu. Lisez votre Bible et cherchez une église tout près de votre maison pour aller, pour adorer Dieu, pour aller suivre les enseignements et Dieu va vous utiliser de façon extraordinaire. Et amen, au nom de Jésus de Nazareth. On va prier mes bien-aimés. On va remercier Dieu. Et on va remettre cette journée qui a déjà commencé et à Dieu. Et c'est lui et lui seul qui peut nous protéger. Et sa parole nous dit, il te gardera de tout mal, il gardera ton âme, il gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. C'est seulement Jésus et Jésus seul qui peut nous protéger dans ce monde. Au nom de Jésus, en Christ nous avons la sécurité. We have security in Jesus Christ. Amen. Praise God. Oh, thank you, Jesus. We're going to pray together. Hallelujah. Oh, habasoko labaya. Hallelujah. Oh, Jesus, we praise you. Halabasoko labaya. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Oh, amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Oh, Jesus, let your presence manifest among us this morning. Oh, thank you, Jesus. Touch your people, Father God, this morning. Fill them with the Holy Spirit. Hallelujah. We welcome you, Holy Spirit. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée. Que le Seigneur des Seigneurs fasse son entrée. Que le Saint-Esprit de Dieu fasse son entrée. Oh, hallelujah. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. Portes élevées, vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes élevées, vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles. Oh, que le roi de gloire fasse son entrée. Jésus, tu es la porte, tu es le chemin, tu es la vérité et la vie. Oh Seigneur, ce matin nous te bénissons, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous t'élevons, Seigneur Dieu. Rien n'est impossible à toi, rien n'est comparable à toi. Tu es le Dieu des dieux. Hallelujah. You are the God of gods. You are the King of kings. You are the Lord of lords. We praise you this morning, Jesus Christ. We bow down before you, Jesus Christ. Oh, we thank you this morning, Father God, for this moment that we share together in your words. Your word is life. Your word is powerful. Your word is you, Lord. Let your word stay in our mouth days and night. Oh, hamasoko labaya. In Jesus' mighty name, Father God, je te prie pour chaque personne en ce moment. Je te remercie pour leur vie. Merci pour ta fidélité. Merci pour chaque personne qui donne, Seigneur Dieu, sa vie à toi. Oh Seigneur, nous te bénissons ce matin, Seigneur Dieu. Oh merci, mon Dieu, pour chaque monde, Seigneur. Merci pour Lex Auguste. Merci pour Margaret Jean, pour Christine Junius. Merci pour la sœur Nicole Dorvilliers. Merci pour Pasteur Roman Fleurville. Merci pour la sœur Adna. Merci, Seigneur Dieu, pour la sœur Ludmille.
famille. Merci, Seigneur Dieu, pour chaque personne qui nous écoute sur YouTube, sur Facebook, sur WhatsApp, Team Jesus WhatsApp, Team Jesus Facebook, Team Jesus on YouTube. Merci, Seigneur Dieu, pour chaque personne. Oh, Seigneur, qui attendez nous, quel que soit côté, qui nous travaille, qui prend le travail, Seigneur Dieu, qui prend un moment pour attendre prier ça. Je te remercie, Père, pour leur vie. Merci infiniment, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Toute la gloire est à toi. Seigneur, nous ne sommes rien sans toi. Nous n'avons pas de force, Seigneur, sans toi. We are nothing without you, Jesus. We don't have strength without you. You are our strength. You are our peace. You are everything in our life, Jesus. We can do nothing without you. Give us strength this morning, Father God. Give us joy. Give us peace. Oh, hallelujah. In the name of Jesus Christ. Donne-nous la paix ce matin, Seigneur. Dieu, ta parole nous dit, je te donne la paix. Je te donne ma paix. Oh, Seigneur, donne à ton peuple la paix. Donne à ton peuple la joie. Oh, Seigneur Dieu, ce matin, je chasse tout esprit de trouble dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh Seigneur matin, nous disons merci. Nous demandons de prendre contrôle la vie chaque grain de monde, Seigneur Dieu. Nous redédicacer la vie nous à nous-mêmes encore. Oh Seigneur Dieu, prends contrôle la vie nous, prends contrôle l'esprit nous, prends contrôle l'âme nous, oh prends contrôle corps nous. Take control of our mind, take control of our spirit, take control of our body in the name of Jesus. We give you our life again, Jesus. Do whatever you want to do in our life, Jesus. Do whatever you want to do in our life this morning, Father God. Do whatever you want to do in our life, Jesus Christ, because we realize there's no other way, but you are the way, you are the truth, you are the life, Father God. Oh, matin, ça, Seigneur Dieu, nous réaliser par l'autre chemin. Nous réaliser, c'est au même qui chemin. Nous réaliser, c'est au même qui la vie. Nous réaliser, c'est au même qui tout nous, Seigneur Dieu, et nous pas un yé sans vous, Seigneur Dieu. Matin, Seigneur. Nous pour cette journée ça va où Seigneur Dieu qui déjà commencé. Nous te présentons cette journée Seigneur Dieu car c'est toi seul Seigneur Dieu qui a tout le contrôle Seigneur Dieu. Tu contrôles les temps, tu contrôles les circonstances et you have all the control Father God. Take complete control of this day. Oh Jesus Christ, prends le contrôle de cette journée. Conduis-nous Seigneur Dieu. Oh Seigneur Dieu, sur le chemin de la vérité. Conduis-nous, Père, sur le chemin de la vie. Conduis-nous, Seigneur Dieu, sur le chemin de la paix. Marche avec nous. Soutiens-nous, Seigneur. De même que ta parole nous dit dans Ésaïe 41, verset 10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas d'un regard inquiet, car je suis ton Dieu. Alléluia, je viens à ton secours. Je te délivrerai, je te soutiendrai de ma droite triomphante. » Marche avec nous, Père, conduis-nous, guide-nous, Seigneur, dirige-nous, Seigneur Dieu. Même Jean, Seigneur, parole dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-nous ce matin, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Seigneur, matin ça. Combien de monde qui sentit au perdu dans la route là? Combien de monde qui sentit au inquiété, au senti au confus, Seigneur Dieu? Matin, maman, redirectionnez la vie, au Seigneur. Redirectionnez la vie, au. Parlez dans vous-même, Seigneur Dieu. Faire connaître que c'est vous qui chemin. Il y a des gens qui ont mis un mensonge. Qui fait vous connaître qu'on ne peut pas sauver. Diable a fait vous connaître. Que c'est où que pas qu'à faire. Mais c'est au matin ça. Parlez dans vous-même. Montrez au Seigneur que c'est au même qui chemin. Quel que soit monde qui sentit au père du matin, qui sentit au ville, lui voulait laguer ça. Via un mensonge que ennemi en baillou. Matin ça. Que bon Dieu touche au. Que bon Dieu touche au matin ça. Que bon Dieu redirectionne la vie au matin ça. Que bon Dieu bâille la vie au sens. Au nom de Jésus de Nazareth. Hallelujah. Thank you, Jesus. Matin, touchez chaque cœur, matin. Touchez chaque cœur, matin, ça, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Touchez cœur, Carmel Fanfan. Et que Seigneur Dieu Tout-Puissant, que il va remettre la vie complètement, qu'il va servir complètement. Chaque monde qui attend, Seigneur Dieu, qui t'observe, vous, vous pied en dedans, vous pied dehors.
Matin ça, Seigneur Dieu, parlez dans le cœur. Puis observez-vous avec respect. Tout le monde qui t'observe dans le monde de la vie. Matin, Seigneur Dieu, qu'on touche le cœur. Afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que vous serviez fidèlement au nom de Jésus. Papa, nous déclarons la faveur de Dieu. Nous déclarons la grâce de Dieu sur notre vie. Nous déclarons les bénédictions de Dieu sur notre vie ce matin, au nom de Jésus. Matin, ça nous déclare la paix. Nous déclarer la joie. Nous déclarons la santé. Nous déclarons la grâce de Dieu sous notre vie, au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Que ta grâce soit sur ton peuple. Que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Que la main de Dieu vous touche là où vous êtes, au nom de Jésus. Que la main percée de Dieu vous touche en ce moment, au nom de Jésus de Nazareth. Que la main de Dieu vous touche. Que la main percée de Dieu vous touche. Notre Dieu, le Père de Jésus-Christ, est avec nous comme un puissant héros. C'est pourquoi nos persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas au nom de Jésus. Nous déclarons confusion dans les camps de l'ennemi ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Je brandis le sang de Jésus contre l'échec au seuil du succès au nom de Jésus de Nazareth. Je brandis le sang de Jésus contre les efforts non rentables au nom de Jésus. Je brandis le sang de Jésus contre l'occupation de mauvais postes au nom de Jésus. Je brandis le sang de Jésus contre tout retard ou refus de promotion au nom de Jésus. Je brandis le sang de Jésus contre la diversion maléfique au nom de Jésus. Je brandis le sang de Jésus contre les prophéties sataniques au nom de Jésus. Je brandis le sang de Jésus contre l'onction de vagabondage au nom de Jésus. Je brandis le sang de Jésus contre le manque de profit au nom de Jésus. Je brandis le sang de Jésus contre l'onction de la tortue et de l'escargot au nom de Jésus. Je brandis le sang de Jésus contre l'onction de la tortue et de l'escargot au nom de Jésus. Je brandis le sang de Jésus contre le retard démoniaque et de mes miracles, de nos miracles, au nom de Jésus de Nazareth. Et nous déclarons que la force de Dieu triomphe. Nous déclarons que la puissance de Dieu triomphe. Force contre force, la force de Dieu triomphe au nom de Jésus. Puissance contre puissance, la puissance de Dieu triomphe au nom de Jésus. Et que la puissance de Dieu ce matin agit dans notre vie. Que la puissance de Dieu agisse dans votre santé. Que la puissance de Dieu agisse dans votre famille. Que la puissance de Dieu agisse dans votre ministère. Que la puissance de Dieu agisse dans votre foyer. Que la puissance de Dieu agisse dans votre travail. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Père, je te remercie pour avoir changé notre tristesse en joie. Au nom de Jésus. Père, nous te remercions pour avoir changé notre deuil en allégresse. Au nom de Jésus. Merci. Lift up your hands and thank God. Levez mon matin et dis bon Dieu merci. Levez vos mains et remerciez le Seigneur pour sa fidélité. Seigneur, merci. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Et qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Il est écrit, voici nous, les enfants que l'Éternel nous a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël, de la part de l'Éternel des armées, qui habite sur la montagne de Sion,
Nous nous tenons sur cette parole infaillible de Dieu. Et nous revendiquons toute l'aide de ses promesses au nom de Jésus de Nazareth. Notre maison et nous faisons également alliance avec le Seigneur. Nos enfants, nous les consacrons et les soumettrons aux bénédictions et au plaisir de Dieu qui nous bénit, qui nous a bénis et bannis notre opprobre pour toujours au nom de Jésus. L'Éternel est notre lumière et notre salut. De qui aurions-nous peur? L'Éternel est le soutien de notre vie. De qui aurions-nous peur? Quand des méchants s'avancent contre nous pour dévorer notre chair, ce sont des persécuteurs et nos ennemis qui chancellent, qui tombent au nom de Jésus de Nazareth. Ô Seigneur Dieu, merci. Poussez des cris de guerre, peuple, et vous serez brisés. Prêtez l'oreille, vous tous qui habitez au loin. Préparez-vous au combat et vous serez brisés. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet. Car Dieu est avec nous au nom de Jésus. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite au nom de Jésus. Merci Père, merci Fils, merci Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Mes bien-aimés, ça a été un plaisir d'être avec vous ce matin à l'émission Détente Matinale. Bon Dieu fait pour vous-même. Alléluia, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, Dieu l'a fait. God did it, and he will do it again for his name, in Jesus' mighty name. Oh, we thank you, Jesus. Hallelujah. No other name. No way to heaven. No way to heaven. Jesus is the way. Jesus is the truth. And Jesus is the life. Life. We have life in Jesus. We have victory in Jesus. We have peace in Jesus. We have joy in Jesus. We have everything in him. Seek first this morning the kingdom of God. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Passez une agréable journée sous la protection du Tout-Puissant. N'oubliez surtout pas que la joie du Seigneur est votre force. Don't forget that the joy of the Lord is your strength. And with all my heart, I say, I love you in Jesus. Et de tout mon cœur, je vous dis que je vous aime en Jésus. Te amo en Jesus nombre. Oh, gracias Seigneur. Thank you Jesus. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes bien-aimés. Restez attachés à Dieu et vous aurez la paix et vous jouirez du bonheur, le bonheur éternel. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse encore une fois. Bye bye.